Salut à tous, c'est Annie, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme promis, deux vidéos et on se retrouve pour la customisation de la toute nouvelle voiture. Et oui, la toute nouvelle voiture qui vient de sortir en fait aujourd'hui, les gars. Et bien, c'est parti, nous allons voir à quoi elle ressemble. Donc, c'est celle-ci, la Truda Panther. Et pour ceux qui ont reconnu, hein, dans les commentaires, c'est quoi comme voiture. Je vous laisse deviner dans les commentaires quel véhicule ça correspond dans la vraie vie. Est-ce que vous êtes fort ou pas fort? Voilà, donc je vous montre le prix quand même. Vous allez dans Lennery Motorsport et elle coûte quand même 2 170 000. C'est quand même assez énorme. Et voilà, comme vous avez vu, c'est une voiture française. Hein. Je vous laisse deviner laquelle. Moi, je sais, c'est laquelle. Non, moi, je sais, hein, je sais. Mais voilà, une petite voiture française, ça fait plaisir d'avoir une voiture française sur GTA. Et on va aller voir. À quoi elle ressemble, est-ce qu'elle est rapide ou pas. Donc c'est une sportive, de type sportive, hein, je veux dire, elle est pas mal. Et bien voilà, il fait un peu nuit dans le jeu, mais c'est pas grave, allons customiser cette magnifique, maintenant je peux le dire, Alpine. Elle est incroyable les gars, une voiture française dans le jeu, c'est beau quand même, c'est beau, c'est rare, c'est beau, mais quand il y en a, c'est bien. Et on est parti pour la customiser, on va voir ce qui nous propose cette magnifique Tundra Panther, la Panther, la Panther. Alors, réparer le véhicule, c'est bon. Blindage, on va mettre à fond. Frein, frein de course, pare-choc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux rues, on a pas mal de choses en vérité. En vrai, de vrai, on a pas mal de choses. Carbone. Carbone. Est-ce que je mets du carbone ou pas sur ce véhicule? Je sais pas trop trop. Sur une Tundra, écoute, on va partir. Sur ça, allez, hop, diffuseur arrière, on a pas mal de choses aussi également. En vrai, elle est pas mal, hein. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je suis un peu moins fan avec la petite plaque un peu bizarre là. Ouais, on va mettre comme ça. On va rester sur le carbone, les gars. Moteur, bah, niveau 4, forcément, j'ai envie de dire, si tu n'as pas le moteur niveau 4, bah, t'es pas bien. Échappement. On a GT, titane, on va mettre celui-ci, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Quoique, en titane, je suis pas trop... Ouais, on va mettre classique, allez, classique. Explosif, on s'en fout, calandre. Qu'est-ce qu'on a en calandre? On va mettre cela, je pense. Couleur 2, voilà. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, même celles-là sont magnifiques aussi, celles-là. Les sports aussi sont pas mal. On a capot. Alors, au niveau du capot, qu'est-ce qu'on nous propose? GT carbone, non, carbone dégueulasse. GT couleur 2, GT course, on va mettre GT course, hein, tout simplement. Ouais, c'est franchement, les gars, je kiffe à mort. C'est trop beau. Oh, c'est claque, on s'en fout. Habitacle, siège, on va mettre bah, forcément les sièges de course, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on va pas se casser la tête là-dedans directement. Phare xénon, kit néo, support néo, on met, on verra la couleur après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme motif sur la Alpine? Enfin, du moins, la Tundra. Oh, le drapeau français! Pas mal! Et on a GTO également. J'ai envie de tenter un truc. Est-ce que ça va être bien ou pas? Alors, attendez, regardez, je vais tenter un truc. Ça, on va mettre en couleur normale, je pense. Couleur, ouais, couleur, ouais, couleur normale. Plaque, on s'en fout. Peinture, voilà. En fait, j'ai envie de tester un truc. Alors, est-ce que... Regardez, regardez ce que je vais faire. Vous voyez, bleu, blanc, rouge. Eh, vous m'avez compris, les gars. Un petit rouge pas mal qui rend bien. Rouge Formula, je pense. Ouais, quoi que non. Rouge Torino, je pense que c'est pas mal. Par contre, au niveau de la couleur secondaire, on va mettre aussi du rouge Torino. Quoique. Quoique, peut-être on va mettre du blanc, je pense. Ouais, on va mettre du blanc. Je pense que c'est plus sympa. Ouais, on va mettre du blanc en même de crew. Non. Ok, toi. Alors, qu'est-ce qu'on a en toi? On a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Ah, non, non, ça gâche le... Ça gâche le bleu, blanc, rouge, pour le coup. Ah, ouais, on va laisser de série parce que ça gâche le... Le bleu, blanc, rouge que je voulais mettre. Ouais,
Vraiment, on s'en fout. Bas de caisse. Alors, bas de caisse, qu'est-ce qu'on a? Je pense que du carbone, c'est très très bien. Ouais, du carbone, c'est bien, les gars. Carbone comme ça, c'est bien. Par soleil. Par soleil, je pense pas. Ouais, ça gâche pas trop en vrai. Aileron. Ah, aileron, c'est important, les gars. Waouh, ouais. Je kiffe. Putain, c'est quoi de ces ailerons là? En blanc, il est beau. En blanc, il est beau, les gars. Franchement, en blanc, il est beau. Suspension de compète, tuning, turbo. Hop. Roue, type de roue. Alors, les roues. Je suis pas très très fan en vrai. Est-ce que. Bon, je vais mettre circuit déjà. En fait, faut voir avec la couleur noire. Ouais, en noir c'est largement mieux. Par contre, maintenant je peux juste changer les roues. Et je pense que je vais partir sur un truc un peu plus. Un peu simpliste, hein. Tu vois, des jantes un peu comme ça, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Pneus. Apparence des pneus. On va mettre un petit côté blanc pour faire rappeler le blanc des trucs. La preuve des balles, forcément. Et ça, on va mettre en fumée bleue. Ok. Ensuite, vitres, bah forcément les vitres. Et par contre, au niveau de. Au niveau des ailerons, on a oublié un truc. Non, c'est pas les ailerons, c'est les. Alors, éclairage, kit néon, couleur néon. Et on va partir sur du bleu électrique. Ou du bleu, ouais, du bleu. Donc voilà la customisation de ma voiture aux couleurs de la France qui représente la France, le bleu, blanc, rouge, qui je trouve ultra, méga, magnifique. Ma voiture est incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pas forcément, je valide à 100% cette voiture. Oh, regardez le toundra qui s'allume en bleu là. Je sais pas si c'est le. C'est les phares qui font ça, regardez. Ah ouais, regardez les pleins phares. Oh, magnifique. Oui, et hop, quand je mets les phares normaux, le toundra il s'allume. Elle est trop belle. Je kiffe ce que j'ai mis dessus comme customisation, les gars. Donc en termes de vitesse, est-ce qu'elle est pas mal ou pas? Bon, elle a une bonne accélération quand même. On va mettre un petit départ arrêté. Ouais, les petits phares et tout derrière là, je trouve ça trop trop beau. Ok. Ouais, on valide totalement les gars. On va aller sur l'autoroute par contre pour tester un peu la vitesse. Mais honnêtement, je valide fortement. Bon, accélération pas ouf, en vrai pas ouf. Mais honnêtement, je valide fortement cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ma customisation. Voilà, j'ai voulu représenter bah, tout simplement la France au maximum, j'ai envie de dire. Et pour moi, je trouve que c'est plutôt réussi pour un véhicule aussi stylé que ça. Bon, après, l'Alpine, on rappelle que c'est quand même la référence des véhicules français, hein. Voilà. Mais moi, personnellement. Je mets un gros 10 sur 10 sur ma customisation parce que je kiffe. En fait, tu vois, c'est bien. Parce que des fois, t'as des motifs qui sont un peu dégueulasses. Mais là, pour le coup, j'ai bien rendu le motif sympa. Enfin, je trouve, du moins. Enfin, si vous, dans les commentaires, vous trouvez que ma custom n'est pas ouf, bah dites-moi-le. Mais en tout cas, on est chaud, on est pas mal. On va, du coup, eh bien, se quitter là-dessus. J'espère que cette petite vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, ciao.